Today, President Mandela takes office in Pretoria. 1994, l'Afrique du Sud, qui vient de sortir de plusieurs décennies d'apartheid, est au bord de la guerre civile. Nelson Mandela tente alors un pari impossible, unifier le pays derrière l'équipe nationale des Springboks à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. C'est cette histoire qu'a choisi de raconter Clint Eastwood dans son 30e film Invictus. Cela aurait été tellement plus simple de laisser le pays plonger dans la guerre civile, mais ça aurait été un massacre. Au lieu de ça, il a trouvé cette solution, il a vu cette possibilité, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fut le seul à l'avoir, personne d'autre. Matt Damon joue le rôle de François Pienaar, le capitaine des Springboks. Allié crucial de Mandela, il pousse ses joueurs à se défoncer au nom de la cause. C'est Morgan Freeman qui a la lourde tâche d'incarner le grand leader sud-africain. Pour préparer son rôle, l'acteur américain a rencontré Mandela à plusieurs reprises. Je l'ai rencontré et j'ai dit « D'accord, je vais prendre le rôle. Mais pour ça, il faut que je vous connaisse, que je passe du temps avec vous, que je puisse vous tenir la main. » Et il a dit oui. Lors de la victoire des Springboks au championnat du monde, Mandela endosse le maillot de Pienaar avant de lui remettre son trophée. À l'époque, ce geste symbolique est perçu comme un grand pas dans la réconciliation entre Noirs et Blancs d'Afrique du Sud. C'était la bonne personne au bon moment pour le pays. Il a choisi les gens pour leur talent, pas pour leur couleur de peau. Cet homme a une noblesse certaine et un charisme que l'on trouve chez très peu de gens. Déjà nominé pour 3 Golden Globes, Invictus sera vraisemblablement un sérieux concurrent dans la course aux Oscars. Il pourrait rapporter à Clint Eastwood sa 5e statuette dorée.